Bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours de Chimie IB au sujet du module 4. Les informations de cette vidéo sont tirées de la partie structure 1.4 du curriculum IB et comprennent 6 unités. Cette vidéo va concerner la composition des molécules et plus spécifiquement la formule moléculaire. Alors, on a déjà parlé de la différence entre la formule moléculaire et la formule empirique. On avait dit que la formule moléculaire donne le nombre exact d'atomes de chaque sorte dans la molécule, alors que la formule empirique ne donnait que les proportions entre les nombres d'atomes de chaque sorte. Ici, j'ai un tableau qui nous donne plusieurs exemples de molécules organiques qui contiennent toutes du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. Et elles sont très différentes, ces molécules-là. On a ici l'acide acétique qui est du vinaigre. On a ici l'acide lactique. Hein? C'est ce qui est dans tes muscles qui fait mal quand on dit qu'on a un point sur le côté. On a le glucose. Hein? On aime ça. Ça goûte bon. Hein? C'est du sucre. Donc, c'est plusieurs exemples de molécules qui sont très différentes. Pourtant, si on regarde les formules empiriques, toutes les formules empiriques de ces six molécules-là vont toujours être CH2O. Ça veut dire qu'il va toujours y avoir le même nombre de carbone d'oxygène. Un carbone noir, un oxygène rouge, deux carbones noirs, deux oxygènes rouges, trois carbones noirs, trois oxygènes rouges, et il va toujours avoir deux fois plus d'hydrogène que de carbone. Si j'ai quatre carbones, je vais avoir huit hydrogènes. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Si j'ai une, deux, trois, quatre, cinq, six carbones, je vais avoir douze hydrogènes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hydrogène. Donc ça, c'est les formules empiriques. Comment est-ce qu'on va faire pour transformer les formules empiriques en formules moléculaires? Il va nous falloir une information supplémentaire qui est la masse molaire. La masse molaire de chacune de ces molécules-là est différente puisqu'on a des molécules qui sont petites, des molécules qui sont grosses, elles ne vont pas avoir la même masse, et c'est la masse molaire qui va nous permettre de déterminer c'est laquelle de ces formules empiriques qui correspond à laquelle de ces formules moléculaires. Alors comment est-ce qu'on va faire ces calculs-là Il va nous falloir d'abord la formule empirique et la masse molaire. Une fois qu'on va avoir ces deux informations-là, on va pouvoir calculer la masse molaire de la formule empirique et trouver le rapport qu'il y a entre la masse molaire de la formule moléculaire que le problème nous donne et la masse molaire de la formule empirique que moi j'ai trouvé et ce chiffre là ça va me dire si c'est une petite molécule ou une grosse molécule ce rapport là ce multiplicateur là va être appliqué sur la formule empirique pour la transformer en formule moléculaire Voici un exemple. Donc, on a notre ribose de tantôt, qui a sa formule empirique de CH2O, et on sait que sa masse molaire, c'est 150 g par mol. On cherche c'est quoi la formule moléculaire. Alors, notre première étape, ça va être de prendre cette formule empirique-là ici et de trouver c'est quoi sa masse molaire. Donc, un carbone plus deux hydrogènes plus un oxygène, ça fait 12 plus. 2 fois l'hydrogène 1 plus 16, qui me donne 30 grammes par mol. Ensuite, je vais trouver c'est quoi mon multiplicateur, c'est-à-dire la masse molaire qu'on me donne pour le ribose divisée par la masse molaire de la formule empirique 30. Donc 150 divisé par 30, ça veut dire 5. Donc, la formule moléculaire est 5 fois plus pesante que la formule empirique. Alors la formule moléculaire, ça va être 5 fois la formule empirique. Et ça ici, ça me dit qu'il y a exactement 5 carbone, 10 hydrogène et 5 oxygène dans la molécule de Ribose. Maintenant que je sais ça, je dois être capable de prendre cette information-là et de le combiner avec qu ce que j'ai appris dans la première vidéo des compositions massiques et la deuxième vidéo, des formules empiriques, pour être capable de faire un problème avec plusieurs étapes, un problème plus complexe. Disons qu'on a un composé inconnu, qu'on a, a analysé, on a trouvé que sa masse, composition massique, sa masse est de 31,67 de phosphore, 3,09 d'hydrogène, et le reste, ops, le reste est de l'oxygène. Et là, on cherche, c'est quoi la formule moléculaire, mais heureusement, on nous donne la masse molaire du composé. Quelle va être notre première étape ben, Nos pourcentages qui sont là, on n'aime pas ça. On veut transformer les pourcentages en nombre de moles. Donc, il faut calculer le nombre de moles pour le phosphore, pour l'hydrogène et pour l'oxygène. Pour le phosphore, d'abord, le nombre de moles, ça va être la masse divisée par la masse molaire. Je n'ai pas la masse, j'ai juste des pourcentages. Mais on a dit dans une vidéo précédente qu'on pouvait imaginer que le pourcent qui était là représentait un échantillon de 100 grammes. Donc le 31,67 devient 31,67 grammes. Et on divise ça par le 30,97 du tableau périodique pour trouver que dans l'échantillon analysé, il y avait 1,02 mol de phosphore. On fait la même chose pour l'hydrogène, donc la masse de l'hydrogène 3,09 d'un échantillon de 100 grammes, donc 3,09 g divisé par la masse molaire 1,01 qui me donne 3,06. Et pour l'oxygène maintenant, ça dit que le reste est de l'oxygène. Le reste de quoi Ben le reste de l'échantillon, le reste du 100 donc 100 moins 31,67 moins 3,09, ça me donne 65,24. Et là, je divise ça par la masse molaire de 16 pour trouver qu'il y a 4,08 mol. Toutes ces moles-là ici vont me permettre de trouver la formule empirique. Donc, ça me dit que c'est du P1,02, H3,06 au 4,08. Mais je ne peux pas laisser ça comme ça. Je n'ai pas le droit d'avoir des chiffres à virgule dans une formule empirique. Alors je vais diviser par le chiffre le plus petit, donc divisons par 1,02, et ça va me donner du P1H3O4. Après ça, il faut que j'aille voir la masse molaire. La masse molaire qu'on me donne pour la formule moléculaire, c'est 98. Je dois le comparer avec la masse molaire de la formule empirique. Pour transformer cette formule empirique en formule moléculaire, je vais devoir maintenant travailler avec les masses molaires. Le 98 qui est ici, c'est la masse molaire pour la formule moléculaire. Moi, mon travail, ça va être de trouver la masse molaire pour la formule empirique et de faire le rapport des deux. La masse molaire pour la formule empirique, c'est le P1H3O4 qui est ici. Donc, le phosphore une fois, 30,97. L'hydrogène 3 fois 1.01 et l'oxygène 4 fois 16.00. La masse molaire pour la formule moléculaire, elle est donnée dans le problème ici, c'est 98. Je fais ces opérations-là et je trouve que la réponse est aussi 98. Donc le rapport, c'est 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que la formule moléculaire, c'est la formule empirique fois 1. Donc, ça va me donner la réponse qui est P1H3O4. Mais honnêtement, on ne l'écrira pas comme ça. On va écrire du H3PO4 parce que ça va nous donner un acide ici, l'acide phosphorique. Alors, c'est comme ça qu'on va résoudre les problèmes sur la formule moléculaire et cette vidéo close cette section 4.4 sur la composition des molécules. Bye!